découvre Venise émerveillée, appareil photo à la main. Pendant 3 jours, les danseurs du Ballet National de Marseille vont interpréter la dernière création de Frédéric Flamand, Métamorphose. Un spectacle inspiré des métamorphoses d'Ovide, proposé en ouverture de la prestigieuse Biennale de danse de Venise. Représenter la danse comme le fait le Ballet National de Marseille avec Métamorphose est la façon la plus contemporaine, la plus moderne d'affronter la mythologie à l'époque actuelle. Toutes ces histoires de mythologie renvoient à nos grandes mythologies aujourd'hui. Mythologie de la technique, de la technologie, mythologie de l'image et mythologie du corps. Et ce sont tous ces éléments qu'on retrouve chez Ovide. Et il nous a semblé intéressant avec les danseurs de faire une espèce de pont entre l'Antiquité et le monde contemporain d'aujourd'hui. Pour décor, le site magique de l'Arsenal de Venise. À quelques heures de la représentation, les 16 danseurs répètent auprès du maître, Frédéric Flamand, à chaque lieu, de nouveaux défis. Ici, la scène est plus étroite qu'à l'Opéra de Marseille. Bon, alors on met tout le monde plus par là. Oui, c'est complètement déséquilibré. Oh, ici, ça s'ouvre. C'est vraiment une très belle opportunité. Et puis surtout, on fait l'ouverture. Donc ça, c'est encore beaucoup plus de prestige. Et c'est, voilà, il faut vraiment relever le défi et puis le faire à fond. Parce qu'en plus, on ne danse pas qu'une seule fois, on danse 3 fois. C'est une production qui est assez difficile, assez physique. Puis en même temps, il faut rester vraiment dans l'esprit artistique. Donc c'est quelque chose de pas facile non plus, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Pour la métamorphose, ce qui me plaît particulièrement, c'est la chance de jouer plein de différents caractères. Donc là, vraiment, de sortir, changer costume, une nouvelle histoire. Donc ça, c'est vraiment un challenge, mais aussi un plaisir de créer de différents caractères, de différentes personnalités, de différentes créatures aussi. 20h, la pièce prend corps sous le regard du public italien. Phaéton, le mythe de Narcisse ou Icare, les dieux et déesses peuvent entamer leur métamorphose dans un décor époustouflant, celui des frères Campana, dont les costumes et la scénographie transforment la scène de l'Arsenal en un vaste monde chimérique.